Dans le cadre de commémorer le 16e anniversaire du massacre de Gatumba, la communauté Banyamulenge Viva à Uvira, à travers la fondation Gatumba, a organisé une conférence de presse ce 13 août 2020 à mairie d'Uvira au quartier Nyamianda. Suite à la pandémie coronavirus, les membres de la communauté Banyamulenge d'Uvira se sont réunis à un nombre très réduit. Les survivants du massacre de Gatumba ont raconté l'histoire, comment les leurs ont été tués sauvagement. Le président de la commission organisatrice de la fondation Gatumba, il avait pas moins de choses à dire dans son discours. Félix Serugayi. Appel à la justice. Jeudi le 13 août 2020, dans la nuit du 13 août 2004, 166 civils Banyamulenge ont été sauvagement massacrés à Katumba où ils avaient trouvé refuge. Les victimes, dont la majorité est constituée d'enfants, de femmes, furent tuées alors qu'ils étaient sous la protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un rapport conjoint de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC, de l'opération des Nations Unies au Burundi, au NIB et du Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Date du 18 octobre 2004, conclut que l'attaque était sans équivoque, dirigée contre les membres de la communauté Banyamulenge et était en toute apparence ethniquement, politiquement motivée. Diverses sources, y compris les rapports de l'ONU, mentionnés ci-dessous, mais aussi le rapport de Human Rights Watch, ont compilé des preuves crédibles laissant peu de doutes sur les responsabilités dans les massacres. Ces preuves ont clairement indiqué que les forces nationales de libération par Hutu FNR du Burundi, les forces démocratiques, certaines forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR, certains éléments de l'armée congolaise FARDC et les milices Mai Mai ont été directement impliqués dans le massacre de Katumba. À l'occasion de cette 16e commémoration du massacre de Katumba, la Fondation Katumba note que depuis la commission du crime, aucune mesure concrète n'a été prise pour traduire les acteurs en justice. De ce fait, la Fondation Katumba demande ce qui suit. La communauté internationale d'honorer la promesse de justice faite aux victimes du massacre de Katumba juste au lendemain de la commission du crime. En deuxième lieu, l'Organisation des Nations Unies disait de tous les moyens appropriés en vue de traduire Agathon Rwasa, Pasteur Habimana et leurs complices en justice. En troisième lieu, le Burundi, la République démocratique du Congo et d'autres pays sous région a coopéré en vue de réhabiliter les victimes. La RDC, de mettre fin aux attaques dont les Banyamulenge font l'objet et de donner l'assistance aux milliers de déplacés qui vivent dans les conditions précaires à Minembwe, Mikenge et Bijombo. Et enfin, restaurer la sécurité en vue de permettre les déplacés et aux réfugiés de retourner chez eux. Pour rappel, dans différents coins du monde, la communauté Banyamulenge a commémoré le 16e anniversaire du massacre de Gatumba. D'Uvira, Eric Ngabo pour MPC.